Ce mouvement Gilets jaunes ne s'est jamais arrêté. Alors pourquoi aujourd'hui est-il de retour ? De retour, on ne peut pas dire de retour, puisque nous, on a tout le temps été ici. On a manifesté chaque samedi. Donc c'est sûr qu'il y a eu une baisse pendant un petit moment, mais là, j'ai l'impression que ça reprend de l'ampleur. Et puis c'est ce qu'il faut, quoi. Alors il y a beaucoup de gens qui sont un peu contre vous, mais il y a aussi plein de gens qui vous soutiennent, qui vous envoient des messages, qui vous klaxonnent en vous envoyant un bonjour, oui. Qui vous soutiennent. Moralement, le mouvement des Gilets jaunes est soutenu quand même par une grande partie des Français. Oui, c'est soutenu. Il y a encore beaucoup de craintes, les gens ont peur malgré tout. Ces manifestations se font, mais au regard de ce qui se passe, ce qui s'est passé à Paris, les blessés, les morts, les gens ont très peur, donc ça reste. Il y a des manifestations, mais la crainte est là, quoi. Alors vous êtes de retour parce que vous êtes toujours mécontent, comme au départ. Surtout aujourd'hui, on voit que les carburants re-augmentent. Oui. C'est ça. C'est un peu le problème du départ. Le début de la manifestation a commencé comme ça, avec le problème du carburant. Et puis là, on voit que c'est reparti. Mais bon, il n'y a pas que ça. C'est un tout. Le problème, c'est le problème de bien vivre. Les gens n'y arrivent plus, c'est plus possible. Ça devient très, très, très problématique. Très problématique, surtout pour certaines personnes, comme on dit, les gens qui ne sont rien, malheureusement. Hein. Et puis voilà, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on arrive à un stade où les gens ne peuvent plus. Alors voilà pourquoi les manifestations, des débordements, malheureusement. Et puis mais ça, c'est, je pense que c'est inévitable. Les gens sont à bout, voilà. Le plus compliqué, c'est de comprendre pourquoi les gens qui travaillent, même des gens qui travaillent, n'y arrivent pas à la fin du mois. Eh bien oui. Et puis, non seulement ils n'y arrivent pas, mais bon, il s'est créé un énorme fossé entre le patronat, les salariés. Il y a un manque de respect, il y a un manque de considération. Ça devient très, très, très problématique. Vous êtes vous-même retraité ou oui, je suis retraité, oui. Alors, d'autres questions. Qu'est-ce qui permettrait une société meilleure, plus équilibrée, selon vous? Redonner le pouvoir au peuple. Redonner le pouvoir au peuple. À chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre, un référendum, que le peuple décide. Parce que là, c'est une décision unique. Il n'y a même plus de concertation, il n'y a plus rien. On décide... On pense pour nous, on décide pour nous. Ça devient une dictature, c'est une dictature. Voilà. Vous demandez à avoir plus de paroles, même si vous ne prenez pas les décisions, que tout le monde ait une parole, oui, le poids d'une oui, parole. Oui, comment je veux dire, les opinions du peuple sont importantes. Il faut. Parce que là, il ne faut pas oublier que le peuple est là et le peuple sera toujours là. Et puis, il faut cette opinion. Alors pourquoi intervenir dans une petite ville comme Terrasson? Alors on sait qu'il y a aujourd'hui des manifestations aussi à Paris, oui. À Nancy, je crois. Pourquoi intervenir même dans une petite ville? C'est important? Oui, c'est important parce que, bon, comme je vous ai dit, on arrive à un moment où il y a un manque d'argent très, très, très net. Donc les gens n'ont pas forcément l'argent pour se déplacer, pour mettre de l'essence dans la voiture. Et puis ce qu'il y a, c'est que par ici, dans les petits villages comme ici, il y a manifestation et il n'y a pas de violence, il n'y a pas de casseurs. Donc on se fait entendre sans violence, sans casse. Et sans perturber la circulation. Tout à fait. Ça se fait, je ne vais pas dire bon enfant, mais ça se fait, on s'exprime, on dit ce qu'on a à dire, sans violence, sans... Alors les gens viennent un petit peu autour de Terrasson, viennent de Brive, de Condat, de... Oui, de partout. Les gens viennent de partout, de toute la région et puis les villages environnants. Alors je crois qu'aujourd'hui, samedi 13 mars 2021, d'autres rendez-vous sont prévus peut-être Oui, d'autres rendez-vous sont prévus. Et, bon, ben ça continue tant qu'on ne vous aura pas écouté, tant qu'on n'aura pas un gain de cause, ça continue, et puis ça continuera encore. Et puis bon, d'après,
d'après ce qu'on apprend encore là dernièrement, bon, ça va pas améliorer les choses. Hein, il faut à tout prix que le peuple se fasse entendre, parce que le peuple est là. Il faut pas l'oublier. Il faut pas le mettre de côté. Le peuple est important. Le peuple est là. Il y a un appel sur Montreuil pour le 18 mars pour réinvestir les ronds-points, semble-t-il. S'il faut recommencer par là, reprendre les ronds-points, manifester un peu partout, bah, c'est ce qu'on fera. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas d'avancée, si, on a des toutes petites avancées, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être écouté, être entendu. Voilà. Est-ce que vous venez aussi parce que vous êtes concerné, il y a des personnes qui sont concernées autour de vous, dans votre famille ou dans vos amis? Mais oui, parce qu'on a des jeunes, j'ai des enfants, des petits-enfants. C'est surtout à eux que je pense, à la jeunesse, parce qu'on est occupé de sacrifier la jeunesse dans ce pays. On ne fait rien pour aider, au contraire, on enfonce la jeunesse. Et puis, il ne faut pas oublier que la jeunesse, c'est notre avenir. S'il n'y a plus de jeunesse, on fait quoi? Donc il faut tout faire, surtout tout faire pour aider, pour soutenir notre jeunesse. Merci Jean-Paul. De rien.